exception. Hein. Ouais, il fait un gros match. Propre, très appliqué. Et Gaznav qui prend son temps. Essayer de manger un petit peu l'horloge. Oh là, il est contré. Oh, Smith. Il est contré. Et c'est peut-être le premier essai. Oui, essai de George Smith. Une nouvelle fois au bon endroit, au bon moment. L'international australien qui inscrit un essai terrible juste avant la mi-temps. Allez, rebelote. Lancé cette fois-ci en début d'alignement sur Chalewachu. Même Monsieur Roland l'a annoncé. C'est un maul. Voilà, un ballon porté. Et cuissard envolé pour Gary Freshwater. Qui mais revient. Ça, c'est pas grave. C'est du matériel, ça. Il faut avancer. C'est ce qui compte. Et il y met la tête. Ça avance avec masse. Ah, bien joué. Le timing superbe. Superbe. Ouais, dans le trou. Il y a du décalage sur les extérieurs. Ouais, excellent. Marty, ça va aller au bout. Porricane. Essai de Perpignan. L'explosion de joie ici à Montjuïc. Magnifique action. Première main, Monsieur Roland. Va faire appel à la vidéo probablement, mais cet essai a été planté par Adrien. Et c'est Adrien qui a fait la vidéo. Il fait quand même appel à la vidéo, même si on peut estimer pas vraiment de doute. Là, c'est planté qui revient à l'intérieur et qui, malgré le plaquage, il n'y a pas de doute. Pas de doute. Sur ce magnifique ralenti proposé par toutes les équipes là de Fred Godard, ballon aplati, ouais, incontestable. Incontestable. Voilà le vrai premier mouvement catalan. Yeah, on attend quand même la décision. Hein. Thank you, Tony. Et c'est confirmé par Monsieur Roland, le 7e essai en Coupe d'Europe d'Adrien Planté qui permet à l'USAP pour la première fois de mener dans ce quart de finale. Et voilà totalement relancé dans ce match. Avec Cédric, un très bon premier travail, très bon travail des avants catalans qui se sont regroupés autour du ballon. Pierre Mignoni qui libère. Oh, oh, il est bienvenu, oh, il est bienvenu, fil. Lancé. Oh, et à hauteur, oh, les l'action immédiate. Incroyable. Et l'essai du capitaine Giovanni Kerr contre les perches et ce match qui s'emballe. Oh, quel orage. Oh, quel essai. C'est l'âme de Toulon, ce joueur Giovanni Kerr qui vient planter un essai sous les perches. La réaction n'a pas tardé. Toulon est de retour et les deux équipes. Il y a un éclat que Van Ickert qui peut être décisif dans les derniers instants du match. Non, mais c'est clairement pas un choix technique. Hein, ça veut dire qu'il a tout donné. En tout cas, il y a un bel effort. Je pense qu'il n'y a plus d'essence là. Il y a un bel effort en tout cas du pack toulonnais là sur cette mêlée. Et ballon conservé par les Catalans. Guirado qui renverse un joueur là sur son passage. Et le relais dans l'axe et l'essai. L'essai probablement de la qualification de Monsieur Perry. Freshwater pour les Catalans. Ah, les gros ont pris le match en main. Deux relais des avants catalans après une pression de tous les instants sur la touche. C'est la dernière action de ce quart de finale. Une action pour l'honneur pour les Toulonnais. Ah, ils veulent clairement ne pas rester là. George Smith, l'image de George Smith, exemplaire ce joueur sur ce match. Si vrai, il va y aller tout seul. Il va y aller tout seul. Et c'est accordé. L'essai qui va nourrir de beaucoup de regrets, semble-t-il, à Toulon. La réaction un petit peu tardive, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps, mais Toulon a été dépassé. George Smith, il a tout donné, il a des crampes. Ouais, il a été à la hauteur vraiment du rendez-vous.